Coucou les filles, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon, cette fois-ci sera pour un petit tuto make-up des yeux, si ça vous dit. Donc le maquillage que vous voyez là, que j'ai réalisé donc avec les palettes de Huda Beauty, les palettes néon. Donc il y a la verte ici, qui se présente comme ceci. Et la orange, donc j'ai piqué un petit peu des couleurs dans les deux pour faire le maquillage. Voilà, donc si ça vous tente, bah, je vous invite à regarder la vidéo. Pour mon teint, je suis venue appliquer d'abord la tonique que j'ai avec Sephora, le tonique de chez Pixie. Ensuite, je suis venue mettre mon sérum Advanced Night Repair. J'ai mis ma crème au cannabis, là, que je trouve toujours très bien. Donc, c'est la marque Tommy G, je l'ai acheté chez Saga. En anti-cerne, j'ai mis celui-là, l'effaceur anti-âge de Maybelline en teinte beige rosé. Par contre, celui-là, je vous conseille de l'appliquer au Beauty Blender, parce qu'au pinceau, ça marche pas du tout. Enfin, moi, ça n'a pas marché, là. Et par-dessus, je vais mettre tout simplement une bébé crème, à l'endroit, ce sera pas plus mal, de chez Sienne, donc on trouve chez Lidl, et celle-là c'est en teinte claire à médium. J'ai mis, parce que je me trouvais un peu palote, j'ai mis cette poudre-là de chez Sephora. Ah, je ne sais pas si la font encore celle-ci, c'est la poudre de finition illuminatrice. Voilà, et puis du coup ben, on y va pour le maquillage de l'œil. Donc j'ai mis déjà ma base Belouise. Voilà. Donc pour venir faire la transition, je vais prendre de la palette néon, donc c'est la orange, et je vais prendre cette couleur là qui est le rose. C'est un rose quoi ça? C'est pas fuchsia, un rose Barbie. Et je vais venir le mettre en fard de transition. J'ai une photo d'identité à faire après. Donc, faut pas que j'en fasse trop non plus. Voilà. Ensuite, je vais venir donc dégrader cette couleur un petit peu avec donc dans la palette toujours néon de Huda. Celle-là, c'est la verte, donc je vais prendre cette couleur-là. Je vais dégrader un petit peu parce que... Une petite retouche de l'autre côté. Oui, donc ensuite, pour faire le pli de paupière vraiment de façon plus précise, je prends un petit pinceau comme ça. Celui-là, c'est un de chez Yves Rocher. Et je viens prendre cette teinte là, donc de la palette orange, qui est un fuchsia bien pigmenté et bien intense. Alors je sais pas si... Moi j'aime bien faire des tutos make-up, mais après je crois que c'est pas, voilà, c'est pas les vidéos les plus regardées en fait, donc je sais pas, ou je les mettrai en musique, en accéléré, peut-être que c'est plus sympa. Dites-moi ce que vous préférez. Donc je sais pas, peut-être que ouais, c'est pas marrant en fait de regarder les tutos. Moi j'aime bien regarder les tutos, mais... Je vais en remettre aussi en coin externe, donc toujours la même couleur, le fuchsia de la palette orange. Je vais venir le mettre en coin externe avec un pinceau Zoeva 231. Voilà. Après, moi je trouve pas que ce soit si facile que ça de... J'ai pas assez l'habitude de papoter en se maquillant. Non, je vais faire un cut crease. Enfin, un genre de queue de crise, on va dire. Alors je vais prendre cette base là de chez Urban Decay, qu'il faut que je finisse. Elle est à moitié pas sèche, mais presque. Bon, je vais le faire comme ça. Hop. Un peu à l'arrache.
On va améliorer tout ça après. Je vais venir appliquer donc de la teinte orange, toujours cette magnifique couleur là qui est un jaune doré un peu néon. J'essaye d'abord au pinceau. Bon, l'autre côté au pinceau, j'ai pas réussi. En plus, sur cette base là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus. J'ai pas fait ma transition, j'ai pas dégradé ici. Hop, on va dégrader un peu la base. Faire ça tout de suite parce que sinon après ça va être galère. Et puis bah, je vais venir l'appliquer au doigt. Alors ça, j'aime pas appliquer les fards au doigt, c'est galère. Surtout dans le coin interne. C'est quand même pas ce qui est le plus facile quand même. Mais bon, il y a beaucoup de fards qui. Tous ces fards un peu foil, pailletés, là en général, si on les applique pas au doigt, ben ça marche pas quoi. Voilà. Ensuite, pour faire la transition entre le jaune et le fuchsia, je suis venue prendre toujours dans la palette orange. Donc la couleur ici, bah, qui est vraiment un orangé flash. Et je vais faire avec un petit pinceau comme ça. Bon, celui-là, c'était un que j'ai eu chez Biss Cosmétiques. Ouais, c'est ça, c'est la marque LOL. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais pour faire juste la transition, c'est pareil, hein. C'est pareil. Il faut le faire au doigt. Sinon. C'est bof bof. Ensuite, dans le coin interne, toujours avec un petit pinceau tout fin comme ça. C'est un pinceau que j'ai acheté à Biocop, la marque Benecos. Et je vais prendre cette fois-ci dans la palette verte. Donc le beau. C'est quoi? C'est un. Oups. Un argenté. Un blanc argenté avec des reflets verts un petit peu. Et je vais le mettre en coin interne. Je vais revenir reflouter peut-être un peu le tout. Avec mon pinceau fluffy la chaîne Nocibé et je vais reprendre cette couleur-là. Voilà. En ratil inférieur, donc je vais venir reprendre le fuchsia donc de la palette orange ici et je vais le dégrader avec celui-là qui est juste en dessous, le rose un peu plus clair. Ouais, donc dites-moi pour les tutos make-up si vous préférez en musique, en accéléré, avec plus de blabla. Voilà, bon, je vais venir faire mon trait de liner. Mon trait de liner. Alors, je prends, j'ai toujours celui-là, là, le Easy Stamp. Hein. C'est un gros pinceau, mais bon. Je trouve que ça le fait quand même. Je suis pas une pro du liner, alors. Je fais pas vraiment de traits en fait. Je fais plutôt des pointillés, puis j'essaye de les relier. Je m'arrête là. Reviens un petit peu. Je peux pas moi trop m'énerver pour le liner parce que j'ai des petites paupières. Alors. Moi, c'est plus vraiment pour souligner la ligne des cils quoi. Voilà. Et en mascara, bah, je vais mettre le Damn Girl de Too Faced. Oups. Je vous remonte la brosse.
qui est assez énorme, il faut le dire. Et franchement, je le trouve pas mal du tout, celui-ci. Je vous le conseille. Il fait vraiment... Si vous voyez, il fait vraiment des cils. Il recourbe les cils. Il recourbe bien les cils, il les allonge. Et il donne un petit peu de volume. Il donne du volume, quoi. Je pense que il va être dans les best-of mascara. Voilà. Bah du coup, j'ai fini pour mon petit maquillage des yeux. Voilà les filles, ma petite vidéo, mon petit make-up est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, donc si vous voulez que, si vous préférez que je fasse des tutos make-up en accéléré en musique, ça ne me pose pas de problème. C'est aussi une très bonne idée. Ou si vous préférez des tutos mais avec plus de blabla, ou si on continue comme ça, ou si on arrête carrément les tutos make-up. Ce qui serait dommage quand même. Voilà. Ben, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite, très très vite dans une prochaine vidéo. Bye les filles et les garçons.